sur la chaîne de Dis-moi. J'espère que vous allez bien. Oui, 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 il n'y a pas de tabou ici. Du coup, j'ai mes règles. Voilà. Je ne suis pas là en cours aujourd'hui. Voilà. Ce qui est avec mes règles, c'est que ça arrive le matin. Du coup, c'est qu'à préparer ma valise pour rentrer chez mes parents et tout et tout. Je me suis dit, je suis en train de ranger ma valise. C'est un sac de règles. Donc les filles, je vous conseille d'avoir, bon, chez une, voilà, je pense qu'on a tous ce sac-là. Mais je vous conseille d'avoir un petit sac dans votre armoire que pour les règles. Genre culotte bien foncée, bien épaisse. Vous captez le style, je vais vous montrer. Hein. Ce n'est pas caractère pornographique, moi je vous dis ça tout de suite. Mais du coup, à Carrefour d'Estriland, il y a aussi des marques spéciales que vous pouvez trouver. Hein. Donc, il y a des culottes de règles. Moi, c'est la marque... Alors, déjà, je ne sais pas. Ce sont des grandes bâches comme ça, mais qu'on ne voit pas quand on porte un jean. Là, j'en ai une, mais on ne voit pas la bâche en question. Vous captez? Bref, donc je vous conseille fortement les filles. Ça ne se voit pas. Moi, en général, je préfère les robes et les trucs larges quand j'ai mes règles. Ça passe en vrai de vrai. Donc, je vous conseille les culottes de règles. Bref, il y a plein de marques de culottes de règles. Je vous conseille d'en prendre parce que ça sauve la vie. Ça permet de ne pas tâcher les culottes que vous avez déjà parce que ça, c'est chiant. Parce qu'après, on ne peut pas les récupérer et c'est fatigant. Et deuxième astuce, les filles, je vous conseille un caleçon. Les caleçons pour triple sécurité. Là, c'est coton, donc c'est la marque Tex, hein, capté. Je vous conseille les caleçons, les filles. Bon, vous mettez votre serviette sur votre culotte de règle et vous rajoutez un caleçon ou un short comme moi. Vous êtes sûr que ça ne va tâcher personne. D'accord? Et si ça coule fort, franchement, il y a des fois, ça m'arrive, ça coule super fort. Je n'ai pas de problème, donc je vous conseille, les filles. Hein? Je sais que je ne suis pas très crédible avec cette tête-là. Je parle beaucoup, mais croyez-moi. Conseil d'amis, croyez-moi. Du tout bien cadré, mais c'est pas grave. Là, je vais à mon rendez-vous chez la podologue. Je suis en retard, mais je trouve que je vis quand même bien pour quelqu'un qui est en retard. Voilà, nous sommes un petit enfant, un petit garçon. Mais est-ce que ça c'est grave finalement? Non, capté. Bref, donc j'y vais. Faut que j'y aille. Mon papa est déjà prêt. Ça fait un moment, il m'attend. Là, il faut pas que je fasse ça au gars. Bref, on y va. Let's go. Papa, et après je vais aller près de ma mère, je vais aller au ciné et je vais passer l'après-midi assez chill. Et voilà, voilà. Sinon, je fais mes valises, j'ai fini à minuit 44
Et après, j'ai reçu sa femme à prière qui a dit rien. Tout ce que j'étais inspirée. J'avais besoin de parler à Dieu. On a des comptes à régler, lui et moi. Donc voilà. Si vous voulez me draguer, comme Diop. Vanille, pas chocolat, vanille. Bon, je suis de retour. Je suis noire, bien, je sais pas pourquoi. La luminosité ne rentre pas. Quand le temps est très pluvieux. On est le samedi, je sais pas combien, 2024, on est en avril. Et je me suis dit, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté récemment. Donc voilà, ma mère, bien sûr, elle a besoin des cartons, ma mentiesse, vous savez. Donc, ben, j'ai pas de carton, mais les articles sont juste là. Donc voilà. Hier, j'ai acheté un truc à ma maman. Quand j'étais à Claire's, à Millenis avec ma mère, je lui ai acheté un kit gua sha et roller pour sa peau. Bien sûr, c'est moi qui vais le faire parce que madame s'est dit « Mais tu sais, faire-toi, faire pour moi. » Vous captez le style. Donc ça m'a fait 25,99€ à Claire's à Millenis. Et je pense que je le ferai un petit réel TikTok où je l'utilise sur sa tête. Donc restez connectés. Je suis en train de tourner là, on vous entend. J'ai vraiment pris un thé. Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? Oh, il gaz. Faut non écerner la bonne écernée. On est cerné. Voilà, c'est... Mais si c'est bon aussi pour les règles. Mais très bon pour les règles, pour fluidifier le sang, pour dormir. Si vous avez besoin de drainer. Ensuite, vitamine D parce que j'en ai besoin et j'ai vu que c'est sorti récemment. Donc je me suis dit j'ai besoin de vitamine D. Donc je vais prendre la vitamine D. Vous captez? Je vais en prendre maintenant. Il faut que j'en prenne 2. C'est écrit juste là. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit derrière combien de doses qu'on va prendre. C'est comme ça. Et ça a un goût de figue. Voilà. Ensuite, ça, c'est un article que je prends tout le temps. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est l'article-ci. Donc, ce sont des gélules de poisson. Donc, c'est très bien. Donc, je conseille énormément. Surtout pour le cerveau, pour les étudiants comme moi-même. Pour les personnes âgées, pour tout le monde finalement. Voilà, donc allez sur mon site en bas. Et ben, vous pourrez commander par vous-même, tout simplement. Vous avez juste à taper Artixi et puis vous allez trouver sur le site. Hein. Et voilà, c'est soit vous êtes livré dans un point relais, soit vous êtes livré chez vous. C'est vous qui décidez. Et voilà, tout simplement. Et le dernier article que j'ai pris, c'est une crème que je voulais tester. Cette crème-là, elle est en peau. Je vais me préparer pour aller à l'église. Enfin, j'ai réussi à me réveiller. Ça fait 2 dimanches que je galère à me lever. Mais là, j'ai réussi, donc je suis contente. Et je vais choisir un vêtement. Je pense que j'en ai déjà un en tête, en vrai. Et je mets des talons. Je pense qu'il pleut, hein, mais... On va mettre quand même. Je pense que je vais mettre cette jupe. En daim, je sais pas si on appelle ça en daim, je crois que c'est daim marron. Et ce chemisier là, au départ je vais mettre un chemisier noir avec, mais après ça fait foncé pour foncé, trop de foncé, tu veux foncé, bien que ce serait joli. Hein. Regardez, c'est ce chemisier là. Mais je crois que je l'avais déjà mis il n'y a pas longtemps pas à l'église, du coup je vais changer, je vais mettre une chemise claire, ce sera mieux je pense. Et pour mes chouchous, je mettrai ces talons là. Hein. Parce que j'ai pas envie qu'on voit mes pieds. Ceux qui savent, savent. Je veux pas qu'on voit mes pieds. Voilà, c'est tout. Et puis voilà. Et je vais mettre ce parfum-là. C'est le Insurrection de... Je ne sais pas de qui. Mais Insurrection. Voilà. Et voilà, je vais embêter mon frère et après je vais faire du montage. En fait, tous mes bijoux, mon truc, tout ça. Voilà, on est dans une maison.
Et voilà, bah c'est tout. Je vais faire du montage, le vlog avec ma cousine. Alors, friend, j'ai de la vitamine dans la bouche, c'est pour ça que je suis un peu bizarre. Bref, j'ai embêté mon frère. Après ça, je reviens. Ça m'a laissé plutôt temporiser pour mon CC de danse cet après-midi. Et voilà. En vrai, c'est juste. Il y a 10 points écrits, 10 points chorégraphie. La chorégraphie, il faudra juste que je la refasse vite fait. Et le cours, bah, faut que je le relise. J'ai fait une fiche hier soir avant de prier et tout. Donc je vais la relire et ça me laisse plus de temps. Donc voilà, hein, nos contraintes. Et voilà, voilà, je m'étais déjà maquillée, coiffée et tout. Et sinon, j'ai fait une coiffure courte. Tout ça me va bien en vrai. Et merci à la personne qui m'a aidé de faire ça. Peur sur toi. Bref. Et voilà, voilà. Donc, je vais réviser. Et on se voit tout à l'heure, alors. Bisous. Mouah. Bon, sinon, pendant que je suis là, je vais essayer d'avancer aussi sur le vlog avec ma cousine quand on était à Marie-Calante. Parce que je devais le poster hier, lundi. Du coup, on est mardi. Et voilà, je suis pas assez productive niveau vidéo. Il y avait un moment où je postais tous les lundis. Là, je poste vite fait parce que non seulement la connexion internet n'est pas ouf, donc je ne peux pas poster tout le temps, mais en plus tellement ça m'énerve. Des fois je ne fais même pas le montage parce que je me dis bon vas-y internet ne passe pas, donc je fais autre chose. Mais bon, ce que je vais faire c'est que je vais monter les vidéos et les mettre en ligne. Et elles vont se mettre en ligne quand elles veulent se mettre en ligne, du moment qu'il y a une vidéo par semaine. C'est déjà bien, comme ça l'objectif sera atteint. Et puis voilà, donc je vais faire ça et après, ben, soit je vais aller en cours, mais je ne pense pas parce que... Voilà, c'est trop une blague. Ou ça, je vais réviser pour danse. Et voilà. Mais déjà, commençons par le montage, ce serait bien. Et après, le reste, on verra. Croyez-moi.